Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Loserty. Donc aujourd'hui pour encore un nouveau concept, donc qui va être cette fois de tester des decks des anciennes méta dans la méta actuelle. Donc là aujourd'hui pour le premier épisode on va tester tout simplement le deck GR qui était beaucoup joué, c'est pas si vieux mais voilà, et là il est plus trop joué, enfin, forcément avec toutes les nouvelles évolutions etc, il a plus trop sa place dans la méta, mais on va quand même tester de le jouer en classé. Donc comme d'habitude pour les prochaines vidéos sur ce concept, n'hésitez pas à mettre les prochains decks que vous voulez voir. En tout cas c'est parti, on va se retrouver directement dans la première game. Donc on se retrouve directement dans la première game contre Big D30CM. Ok, ce qu'on va faire c'est qu'on va partir squelette en fond du terrain. Est-ce que ça va tanker son esprit de glace? Est-ce que je... Oh, allez je vais le bûche. Je sais plus forcément comment le deck se joue vraiment bien, mais on va essayer de faire comme on peut. Là ce que je pense, ok, on va essayer d'aller gérer les gargouilles comme on peut. Allez, ok, ça devrait être suffisant. On peut même partir en GR devant, je pense que c'est pas une mauvaise idée, surtout qu'il a utilisé son méga chevalier. Ok, on rajoute 6, ça lui force 8, en soi c'est pas si mal, même 9. Mais là du coup il doit pas être vraiment bien en élixir, ce que je pense c'est que je vais faire un petit push comme ça. Là il doit pas être forcément très bien en élixir. Ok. Ok. On a push avec 5, il défend avec 5, on va pas gratter la tour. Ça va. Je pense qu'on est toujours en avance en élixir, on doit avoir un ou deux de plus que lui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cycler une petite bûche. Et même un esprit, je pense. Ok. Ok, je m'y attendais pas, celle-là. Je dois l'avouer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir comme ça. Méga chevalier Arkix. Alors, celle-là, j'avoue que... Celle-là, j'avoue que j'étais pas préparé. Pire, c'est qu'il y a moyen que ce soit pas facile à jouer. Hein. Parce que déjà, quand tu joues contre Arkix, si le mec cycle bien les sorts avec ce deck, tu peux rien faire. Mais avec un méca chevalier en plus, je suis pas convaincu là. Là, je suis pas forcément convaincu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Ah, il a. Ouais, ça c'est pas trop grave avec notre deck. Ok. Ok, c'est pas forcément dingue ce qu'il vient de faire là. C'est même pas forcément dingue du tout même. Il va certainement boule de feu. On va attendre de voir un peu ce qu'il fait. Ok, boule de feu. Est-ce qu'on a un coup? Je sens que ça va se jouer au sort cette histoire. Hein. Ok, on va boule de feu ça encore. J'ai bien peur qu'on doive gratter que comme ça. J'ai mis un peu près le GR, c'est un peu dommage. Mais bon. Ouais, ça va. C'est un peu dommage. Ok. On va partir en chevalier. Enfin, en prince ténébreux, fond de terrain. Il fait son push. Ok. Ça va être là qu'il va falloir être solide. Hein. Ok. Ok, est-ce qu'il peut choper le méga chevalier? Nice! Incroyable! Bah bien sûr, le combo GR chasseur, de toute façon. Chasseur pêcheur, de toute façon, ça a toujours été fort sur Clash Royale. Mais alors là, c'est sûr que contre ce deck, il va beaucoup nous aider, je pense. Ok. Elle va un peu m'embêter, elle. Ouais, on va pouvoir le boule de feu. Ok, on va pas gratter. On aurait peut-être mieux fait de pas le boule de feu, justement. Mais bon, on a quand même une bonne avance. Il nous a pas encore montré de sort. Mais bien sûr que si, je l'ai vu 15 fois, sa boule de feu. Qu'est-ce que je raconte? On va faire sauter le prince ténébreux là-dessus. Ok. Je crois qu'il a rage quitte. Hein. Ok, je crois qu'il a rage quitte. Bon. Première game assez bizarre contre un match-up assez inédit. Hein.
On va se retrouver directement dans la seconde game, c'est parti. Ok la team, on se retrouve contre MiG-17 et dans la seconde game. Donc, aussi ce que je voulais vous dire en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos idées, potentiellement si vous avez des idées de concept ou autre, mais aussi des idées concernant les concepts déjà existants, donc c'est-à-dire par exemple le concept récemment de mélanger deux decks. Quel deck vous voyez bien se mélanger? Attendez, parce que là, ok, on prend un peu cher. Donc, faut que vous me donniez deux decks. Et le concept, c'est justement de mélanger et de prendre 4 cartes de chaque deck. Donc, n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir GR là. Il a joué ses barbares d'élite. Ça, ok, ok. On va tenter un truc, mais ça va pas être simple. Est-ce qu'on active la tour comme ça? Ok, let's go. Ça met vraiment bien ça. Ça met vraiment bien. On défend le méga chevalier contre deux élixirs. On active notre tour. Là, on a encore une contre-attaque qui doit défendre parce que sinon il se prend une charge plus potentiellement un coup, je pense. Ok. On va défendre juste avec pêcheur. Et ce sera pas mal. Et on va sûrement. Ouah, quoique j'ai un peu la flemme de repush et de me prendre des méga chevaliers là. Des barbares d'élite, pardon. Donc on va juste laisser ça comme ça. Je pense qu'il va mettre ses barbares. Voilà. Ok. Ok. Bon, c'est pas trop mal, il nous donne une bonne value là. Et je pense qu'on va aller chercher la tour. Assez simplement là, il pourra pas défendre. Après on voit, on est bien. Hein. Franchement, on n'a pas trop à se soucier là, même s'il met un méga chevalier, j'ai toujours le pêcheur. Je pense que ça le défend assez facilement. Et ce qu'on va faire, si ça peut splash surtout, ce serait pas mal. Ça va pas du tout parce que. Ouais, ok. Ok. Bon, il refait le même push. C'est pas passé une fois, je vois pas trop comment ça pourrait passer. Oh là là, le chasseur. Les dégâts du chasseur. C'est un massacre. Ok, est-ce qu'on chope au vol? Ok, c'est pas trop grave. Là, on va juste défendre ça comme ça. Et là, on va pas se précipiter parce que... Voilà, parfait. Et bah, c'est parfait. La game gagnait assez tranquillement. Donc, comme je disais avant, n'hésitez pas, surtout dans les commentaires, à me proposer un deck pour la prochaine vidéo sur ce concept. Aussi, à proposer potentiellement d'autres concepts ou me faire des propositions justement sur les concepts qui existent déjà. En tout cas, c'était la Loserty. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao!